Soulagement pour les malades de la cataracte de la commune de Katioula. 250 patients vont bénéficier de la campagne de dépistage et de soins gratuits de la cataracte initiée par la mairie. Depuis 7 ans, je traîne cette maladie. À Abidjan, on m'a donné des gouttes. Je suis venu me faire consulter et ils ont dit que c'est positif, que j'ai la cataracte et ils vont m'opérer. Cette action, vraiment, est la bienvenue. C'est un événement qu'on n'a jamais vu à Katioula. Comment se manifeste la maladie? La cataracte, c'est une maladie qui est liée à l'âge. Au niveau de l'œil, il y a une lentille qui permet la mise au point des images sur la rétine. Cette lentille s'appelle le cristallin. Et avec l'âge, elle devient opalescente jusqu'à ce qu'elle devienne tout à fait blanche. Une fois que la blancheur est totale, le malade ne peut plus bien voir parce que c'est comme un obstacle qui s'installe devant sa vue. Coût de cette opération, 100 millions de francs CFA, financé entièrement par Sahara International, Côte d'Ivoire. Depuis l'année dernière que nous avons lancé l'opération, nous avons opéré près de 300 personnes. Et pour cette année, seulement pour la ville de Katioula, nous avons décidé de faire pour opérer 250 personnes. Pour le maire de Katioula, il s'agit d'apporter un bien-être aux populations de sa commune. Je suis venu me mettre au service des populations de Katioula. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu avoir l'accord de la société Sahara pour venir dépister et soigner gratuitement nos populations. Le lancement de cette opération de portée sociale s'est déroulé à la mairie en présence du donateur Adegoya, directeur général de Sahara International Côte d'Ivoire, et des autorités administratives et traditionnelles de Katioula.